OK, alors on va commencer, groupe, et puis au fur et à mesure que les gens vont arriver, ben on les accueillera là, dans la rencontre. Écoutez, nous sommes, il y a 5 personnes dans la salle de réunion. Je ne sais pas si Claudine, t'écris Claudine et compagnie. C'est en compagnie d'enseignants, Claudine? Oui, j'ai mes amis. Je vais retirer ma main. Attends un peu, aucun état. Bon. Il y a Stéphanie Baudet, conseillère en orientation. J'ai Marie-Julie Tremblay, enseignante en français. Brigitte Gagnon, enseignante en français. Et Rosen Emilia Petrov, enseignante en français. OK, ben, Et moi qui fais à peu près. bienvenue à tout ce monde-là. Écoutez, j'ai encore ouvert un bloc. Ben, en fait, c'est le même bloc-notes collaboratif qu'on utilise toujours. Là, il y en a plusieurs d'ailleurs parmi vous qui avez déjà écrit votre nom, votre intention de présence. J'avais ouvert aussi une liste des points à discuter. Je n'en ai pas beaucoup. En fait, il y a des points à discuter que moi, j'ai ajoutés. Je ne sais pas s'il y en a pour l'instant qui vous viennent à l'idée que vous pourriez ajouter dès maintenant ou si vous préférez qu'on les ajoute au fur et à mesure. Bref, on verra. Sinon, on aura une rencontre qui sera plus courte. On s'ajustera en conséquence. Donc, écoutez, je voulais faire un suivi sur la dernière rencontre que nous avons eue en mars, le 14 mars. Écoutez, je suis allé relire un petit peu ce qu'on avait écrit. La seule chose que j'ai ajoutée, en fait, que j'ajouterai en suivi à cette rencontre-là, c'est qu'on avait discuté des listes de courts romans québécois ou de nouvelles littéraires qu'on pourrait utiliser en 4101. Bon, puis il y avait des gens qui avaient ajouté là, des suggestions. Donc, on avait l'ami de Stéphane Bourguignon, on avait un livre de Patrick Sénécal, Le Torrent d'Anne Hébert, etc., etc. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, simplement, c'est que dans le bloc-notes, j'ai ajouté une ressource qui. OK, donc ce que je vous disais, c'est qu'à la suite de la dernière rencontre, j'ai ajouté dans le bloc-notes d'aujourd'hui une nouvelle ressource, une ressource en lecture qui nous a été présentée par Suzanne Richard de la Commission scolaire Laval, une conseillère pédagogique qui remplace Nathalie, je me rappelle son famille, bon, Nathalie pendant son congé sans traitement. Donc, il y a un blog qui s'appelle le blog de Sophie. Alors, si vous allez jeter un coup d'œil sur ce blog-là, vous allez trouver vraiment des trucs intéressants, des suggestions de romans, des suggestions de livres, des exemples d'appréciation. Bref, un point pour les profs, des suggestions. Alors, une ressource qui est, à mon avis, assez intéressante à explorer pour les profs qui vont avoir à donner le 41-01 et puis le 50. 203, même aussi en FVC, là, ça peut être une ressource fort appréciable. Donc, je l'ai ajouté dans le bloc-notes collaboratif d'aujourd'hui. Première chose en suivi à cette rencontre-là. Va pour cette ressource-là, Sophie Lee. Comme deuxième point à l'ordre du jour, j'avais mis retour sur la QFGA. Je ne sais pas si vous avez été nombreux, si vous avez été participants à la QFGA. Alors, je voulais qu'on fasse un petit retour, un petit tour de table, si vous aviez des choses à partager en lien avec des découvertes que vous avez faites là-bas, là. Je voulais juste dire qu'en allant à la Kievière, on s'était rendu compte que tout le monde était pas mal au même niveau, ce qui était encourageant de notre part, pour nous, là, parce qu'on pensait qu'on était en retard. Mais il y a quand même, en partageant comme ça avec les gens, on se rend compte que on vit pas mal les mêmes incertitudes, les mêmes difficultés, donc, et les mêmes besoins. Brigitte, est-ce que tu avais participé à l'atelier, le tour de table sur la table ronde sur l'implantation de la RVD? Oui, puis je suis restée sur Restez ma sur faim. ta faim, ouais, c'était court, hein? J'aurais aimé ça que ça dure encore plus Tout à longtemps. fait. Puis ma collègue aussi, qui est avec moi, c'est des choses qui nous apportent beaucoup, faire des échanges comme ça avec d'autres centres. Donc, nous avons bien apprécié, mais c'est ça. On aurait aimé en avoir plus encore. Je vous ai mis dans la zone de clavardage en bas là, le lien vers le bloc-notes collaboratif de ce tour, de cette table ronde-là, justement, que j'ai animée à la QFGA. Bon,
au fur et à mesure, depuis la Kiev, il y a des gens, des fois, qui m'envoient des ressources dont ils avaient parlé. Je les consigne toutes dans ce bloc-notes collaboratif-là. Donc, elles sont toutes à la fin. Alors, même j'en ai ajouté, je pense, pas plus tard que la fin de la semaine passée, là. Donc, les gens qui ont parlé de documents, de ressources particulières qu'ils ont développées, alors, vous pouvez les retrouver à la fin de ce bloc-notes collaboratif-là. Vous pourriez aussi, si vous voulez, en ajouter, là, c'est possible, là, vous pouvez continuer à ajouter des ressources à la fin de cette liste-là. Comme ça, avec cette adresse-là, vous pourriez toujours y accéder, là, puis avoir accès à ces ressources. D'accord? Alors, j'ai aussi ajouté dans le bloc-notes collaboratif d'aujourd'hui, là, j'avais mis un petit point qui s'appelait enseignement de l'oral. Je suis tombé sur cet article-là la semaine passée, qui est un article de l'Institut de l'IFE, de l'Institut de l'éducation, l'Institut français de l'éducation, où c'est un article qui s'intitule « Je parle, tu dis, nous écoutons, apprendre avec l'oral ». Comme on avait beaucoup discuté de l'oral dans cette communauté de pratique-là l'an dernier, je pense, je trouvais que c'était beaucoup en lien avec les discussions que nous avions eues. Donc, vraiment un texte à lire et à faire lire aux enseignants, très, très intéressant sur justement l'enseignement et l'apprentissage de l'oral, l'expression orale. Donc, c'est simplement une ressource que j'avais déposée comme ça. J'ai question de quelqu'un de notre centre. Est-ce que l'écoute est évaluée au secteur des jeunes comme aux adultes? C'est une bonne question. Je pense qu'au secteur des jeunes, l'écoute est évaluée un peu comme nous, c'est-à-dire que l'écoute est au service de la communication orale, mais je pourrais faire cette vérification-là, là. Je ne suis pas certain là, de cette information-là. Je ne sais pas si quelqu'un dans la communauté aurait cette réponse-là. Écoutez, moi, j'avais mis ces trois points à l'ordre du jour-là, ces trois ressources-là dont je voulais vous parler. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez des préoccupations sur lesquelles vous aimeriez qu'on se penche un peu? Soit des points en lien avec l'évaluation ou avec les programmes. Vas-y, Claudine, oui. La question est, sur quoi les autres centres se basent-ils pour évaluer un élève qui est en troisième secondaire dans l'ancien programme et qu'on veut le passer vers le nouveau programme? Donc, il n'a pas terminé sa troisième secondaire, il est en cours, mais là, on veut l'amener vers, est-ce qu'on a un outil qui nous permet de faire le pont pour pouvoir être au service de l'élève, pas pénaliser D'accord, l'élève? je comprends très bien la question. Bon, d'une part, ici, là, en Montérégie, c'est une question qui nous a beaucoup préoccupés vers la fin de l'année passée et au début de l'année, l'automne dernier. On en a beaucoup discuté, on a fait beaucoup de vérifications auprès du ministère, auprès de la sanction. Bon, il existe un document qui est dans la zone d'accompagnement du ministère, là, dans la zone de français langue d'enseignement, sur le site d'accompagnement qui est dans Carrefour FGA. Il y a un document, en fait, il devrait être encore là. Il y a un document qui avait été déposé par Marie-Josée Quinn, qui proposait, c'était une proposition, hein, de certaines passerelles. Si tu as réussi tel cours dans l'ancien programme de troisième secondaire, tu pourrais t'inscrire dans ce nouveau cours-là, en troisième, dans les nouveaux programmes de la FBD. Toutefois, je vais mettre un bémol là-dessus, parce qu'après avoir fait des vérifications, comme je disais, là, auprès de la sanction, en fait, ce que les gens de la sanction disent, principalement Laurent Bolduc, qui est le responsable de la sanction en FGA, lui, ce qu'il dit, c'est que pour l'instant, ce qui prime, c'est l'info-sanction, là, je ne me rappelle plus son numéro, là, mais l'info-sanction qui a été publiée à la suite de l'annonce de l'implantation obligatoire en avril dernier, là. Donc, l'info-sanction qui est arrivée en juillet. J'irai l'ajouter dans le bloc-notes collaboratif, là. Mais dans l'info-sanction, on dit qu'un élève on doit lui laisser le temps de finir sa troisième, ben, son niveau secondaire, hein, dans lequel il est inscrit avant de passer dans le programme de la FVD. Donc, on doit le faire en théorie, je dis c'est bien en théorie, seulement entre deux niveaux et pas à l'intérieur d'un même niveau. Pour l'instant, naturellement, parce qu'on n'est pas encore rendu à la date limite d'implantation, la date d'implantation obligatoire qui est avril 2000, non, juin 2018, juin-juillet 2018, là, où les codes de cours vont être fermés. Donc, comme en fait, je reviens à ma réponse. Pour l'instant, on suit l'info-sanction, donc on n'est pas censé faire ça. Mais sinon, ben, il y a un tableau qui existe,
qui est dans la zone d'accompagnement, là, comme je disais tantôt, là, dans Carrefour FGA, dans lien avec le français. Ce que je sais, ce qu'on m'a dit, c'est que ce tableau-là n'aurait peut-être pas dû se retrouver si rapidement dans cette zone-là. On aurait dû attendre un peu avant de le diffuser. Bon, je sais. Donc, il y a peut-être été... Vas-y, Claudine, oui. Mais je me disais qu'il a peut-être été retiré si, justement, il a été un peu déposé trop rapidement, là. Mais, tu sais, l'idée, c'est que, et c'est partout qu'on a tous le même souci, c'est qu'un élève dont on sait qu'il n'aura pas le temps de terminer l'an prochain sa troisième secondaire, mais qu'il l'avait comme commencé, on sait qu'on va vouloir l'introduire tout de suite dans le renouveau. Par contre, on aurait voulu pouvoir lui permettre de reconnaître là, qu'est-ce qu'il avait fait là, et pas lui faire redoubler des choses. Fait que j'irai à la recherche. Je pense que c'est ce que tu fais, tu es en train de faire la recherche. Je trouve encore, là. Mais effectivement, de toute façon, mais vous allez pouvoir le faire. Admettons qu'un élève, comme tu dis, qui commence sa troisième secondaire, là, il va commencer à faire des cours, bien, c'est les cours, le tableau qui a été proposé par Marie-Josée Quinn, là, il prend en compte le nombre d'unités, il prend en compte aussi les compétences qui sont développées. Donc, il fait une espèce de reconnaissance, là, dans le sens où l'élève, il va pas recommencer toute sa troisième secondaire dans les cours de FDD. Il va pouvoir faire simplement certains cours, justement pour combler, pour avoir un nombre d'unités qui est approximativement le même que dans l'ancien programme, puis aussi pour avoir des bases suffisamment solides et intéressantes pour la quatrième, pour entamer la quatrième secondaire dans le nouveau programme. Je sais que ce document-là, quand il était déposé, Claudine, il avait été déposé dans... Ah oui, il était encore là. Il est dans la partie bibliothèque, dans la zone d'accompagnement en français. Je vais mettre le lien directement dans le bloc-notes d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir y avoir accès. Il s'appelle Amalgame de cours de troisième secondaire. Là, je ne sais pas s'il y avait un point qui avait été mis à l'ordre du jour là-dessus. On va l'appeler amalgame. Donc, j'ai mis le lien, Claudine, je ne sais pas si tu le vois apparaître, là. Oui, on le voit apparaître, merci. Donc, ça va pouvoir peut-être vous guider dans vos réflexions. C'est une proposition, soit dit en passant, vous pourriez la modifier. Ce n'était pas une recommandation, ce n'était pas plus un document prescriptif. Là. C'était vraiment plutôt des suggestions d'équivalence, disons. OK, merci. S'il y a une autre question, sur quoi les autres centres se basent-ils pour faire passer un élève de troisième secondaire vers le renouveau? OK, c'est en lien avec ce qu'on vient de voir. Donc, c'est probablement, les gens vont utiliser ce tableau-là, sauf pour ceux qui le font maintenant. Est-ce que les centres vont faire une révision grammaticale aux élèves qui débutent une formation des adultes? Oui, est-ce que les temps de concentration est limité? Quel est le matériel utilisé? Donc, je vois quelqu'un qui est en train d'écrire une question à ce sujet. Donc, est-ce qu'il y en a qui font des révisions grammaticales pour les élèves qui commencent leur formation en MGA? Je résume la question. Combien de temps est consacré à cette révision-là? Quel matériel est utilisé? Est-ce que c'est le cas parmi vous, parmi les participants aujourd'hui? Mylène, vas-y. Tu vas essayer de parler ou tu vas écrire? Ah, ça fonctionne, Mylène, c'est bon? Est-ce que ça fonctionne? Ah, good. Bon, nous, ce qu'on est en train de faire présentement, c'est comme une espèce de petite... un petit cahier de mise à jour de grammaire là, pour le 3, le 4. Je dirais, non, pas pour le 3. On a commencé par le 4 parce que je pense que José trouvait qu'il y avait un petit manque de ce côté-là. Mais il est en construction, il n'y a rien de complété. Mais oui, on envisage ça. Puis, Mylène, est-ce que vous allez accepter de diffuser ces documents-là lorsqu'ils seront complétés? Ben, je crois que oui. OK. Je ne pense pas qu'il y ait de problème. Josée est bien ouverte à ça. Parfait, merci. Il y a Marie-Chantal Valiquette qui dit qu'à la CSMB, il n'y en prend pas. Bon, Marie-Chantal qui rajoute que
en fait, il développe beaucoup à la commission scolaire Marie-Victorin là, l'utilisation du journal d'écriture et des dictées réflexives. Donc, un peu pour justement pour aider les élèves à pallier les difficultés grammaticales. Donc, ils vont utiliser cette stratégie-là pour faire avancer davantage les élèves. Bon, mais, bon, je ne suis pas nuancé, mais Chantal a dit beaucoup, c'est un peu gros, là, mais bon, elle travaille fort pour essayer de pousser un peu cette pratique-là. Elle l'a présenté d'ailleurs l'année passée à la KIFGA, elle l'a représenté, elle en a discuté, on l'a présenté aussi lors de la rencontre des RSP au mois de janvier dernier. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font des qui ont des activités un peu similaires à celles que Marie que Mylène nous a présentées, soit des mises à niveau grammaticales dans vos centres, dans vos commissions scolaires? Il y avait une autre question aussi qui était en lien avec les activités grammaticales. La dernière question, c'est est-ce que les centres se sont dotés d'outils d'évaluation diagnostique? Donc, est-ce que vous faites, vous travaillez des outils avec des outils diagnostiques en lien avec les nouveaux programmes de la FBD? Est-ce qu'il y en a qui ont ça dans leur carton? Le discours qui est tenu ici par le groupe, c'est qu'on veut apprendre à travailler avec le matériel qu'ils ont sélectionné avant de voir comment aller en amont. Là. Il y a comme une prise de connaissance à faire avec le matériel, les manques, pour pouvoir ensuite évaluer et dire, bon, OK, là, on a vraiment besoin d'aller voir qu'est-ce qui manque. On va l'outiller après. Là. C'est bon. Merci, Claudine. Il y a Marie-Chantal Valiquette qui a ajouté dans le bloc-notes collaboratif que souvent, ce sont les notions intérieures qui manquent dans les cahiers d'apprentissage. C'est pour cette raison qu'on favorise les dictées réflexives. Donc, pour retravailler sur les notions antérieures, là, revoir les bases des élèves, des trucs qu'ils ont tous déjà vus, naturellement, mais essayer de les rendre plus explicites puis les réactiver un peu, réactiver les connaissances. Marie-Chantal, comme tu es là, t'écoutes un peu... Tu suis la rencontre. Je reviendrai avec une question qui nous a été posée tout à l'heure. Si au secteur jeune, l'écoute est évaluée de la même façon qu'aux adultes, je ne sais pas comment ça se produit. Je pense que l'écoute est au service de la production de la communication orale comme on l'a maintenant, là, mais j'aimerais savoir une petite confirmation là-dessus. Si jamais tu as l'information, ce serait apprécié que tu nous donnes l'info dans le petit bloc-notes. Vas-y, Marie-Chantal. Alors, bonjour. Finalement, je suis là. Au secteur jeune, l'écoute, oui, va être en soutien à la préparation, à la production écrite, ou ça va remplacer un texte, ou il va y avoir une portion d'écoute, je parle du premier cycle surtout, portion écoute et lecture avant d'écrire. C'est des choses qui peuvent se produire, mais l'écoute n'a pas de... Dans l'examen de fin d'année, il n'y a pas une pondération nécessairement là, dans la session de juin pour l'écoute et pour la prise de parole comme telle. Ça se fait en classe, c'est pas dans un moment bloqué comme en FGA. Nous, on a le 31-05 en FBD. Il n'y a pas de cours seulement ou d'examen où on a ça formellement dans une session d'examen. Par contre, ça fait partie, c'est censé faire partie à tout le moins de l'enseignement puis de la prise d'information en cours d'année. Mais c'est pas, il n'y a pas une partie consacrée dans la session d'évaluation seulement à la prise de parole et à l'écoute non plus. Fait que c'est au fur et à mesure, en cours d'apprentissage, il y a des situations qu'on présente à l'élève, que ce soit de secondaire 1 à secondaire 5, c'est pas mal toute la même situation. Merci beaucoup, Marie-Chantal. Alors, je reviens à mon bloc-notes, voir s'il y a d'autres questions qui sont ajoutées. Il n'y en a pas. Alors, je vais profiter de l'occasion pour faire un petit topo, un petit résumé sur les travaux qu'on fait en Montérégie. En fait, en Montérégie, on a un groupe de travail dans chaque discipline, groupe de travail auquel se sont joints quelques CP d'autres régions du Québec. Et puis, on a deux à trois rencontres par année, puis on discute de différents points en lien avec l'implantation du programme de la FBD, naturellement, pour l'instant. Et puis, on essaie de se faire une tête, justement, sur notre compréhension de l'évaluation, compréhension du programme. Puis, on essaie aussi de se partager les tâches à faire là, pour éviter que tout le monde travaille en vase clos, là, que tout le monde travaille en silo, chacun dans son coin.
Bref, on a eu une rencontre la semaine passée, justement. Alors, simplement pour faire ressortir certains points importants là, qui ont été énoncés. Nous, on a fait cet hiver une opération analyse des situations d'évaluation. On s'est séparé le travail. On a commencé par les situations d'évaluation en lecture. Alors, le but, c'était vraiment de voir si les situations étaient équivalentes, si les questions étaient, on trouvait que les questions étaient bien formulées, si elles rejoignaient vraiment la dimension qui était souhaitée. Donc, on s'apprête à faire quelques rétroactions, je vous dirais, à Mme Marie-Josée Quinn au ministère pour lui signifier certains trucs là, qu'on a relevés. Entre autres, je vous dirais que le concept d'interprétation, il n'est pas vu de la même façon en quatrième secondaire qu'en troisième secondaire. Je ne sais pas si vous avez été à même de le constater. Mais en quatrième secondaire, on travaille davantage l'interprétation sur des éléments du texte plutôt que sur une interprétation plus globale. Alors, ça nous fatigue un petit peu, mais bon, c'est la DDI qui est faite ainsi. Mais il y a des petits trucs sur lesquels on n'est pas tout à fait d'accord. Donc, on va faire des rétroactions là-dessus. On aimerait aussi harmoniser certaines épreuves, entre autres, quand il y a certains cours, entre autres en 5203, où il va y avoir, par exemple, en interprétation, deux questions d'interprétation, deux sous-questions, voire même trois. Nous, on souhaiterait que ce soit équivalent dans toutes les versions. C'est-à-dire que plus il y a des questions d'interprétation, donc plus l'élève a de la chance de faire, la chance entre guillemets, de la possibilité de faire valoir sa compétence. Quand il y a une seule question d'interprétation, bien, s'ils viennent d'échouer complètement cette dimension-là. Donc, on va pousser dans ce sens-là pour justement qu'il y ait le même nombre de questions d'interprétation dans toutes les versions. Quoi d'autre? Il y a un élément aussi qui revient, là. Il y a des petits trucs ici et là. Naturellement, on est en communauté, on est en ligne. Je ne parlerai pas du contenu des examens, là. Mais c'est ça. Je ne sais pas si vous avez fait cet exercice-là dans vos centres, mais on s'apprête à envoyer ces rétroactions-là. Un autre truc aussi, là, ça c'est dans notre groupe de travail aussi, on encourage fortement les gens à donner des rétroactions au ministère. C'est en lien avec le cours FRA 4103. Alors, le 4103, c'est le cours qui porte sur l'actualité. C'est un cours de communication orale où l'élève doit écouter un reportage qui est un sujet imposé. Reportage télévisé. Et il y a 6 reportages qui sont disponibles, que le ministère a rendu disponibles, qui nous envoient via CD-ROM, je crois. Nous, ça nous fatigue bien gros, ces 6 reportages-là. D'une part, parce qu'il n'y en a que 6. C'est un texte, c'est un sujet, c'est un cours qui porte sur des sujets liés à l'actualité. Donc, c'est sûr que ces 6 reportages-là ne seront plus liés à l'actualité dans un an ou dans 2 ans. De deux, on trouve que c'est un peu étrange que des élèves animent une discussion sur un de ces sujets-là auprès d'autres élèves qui pourraient prendre le même sujet dans la semaine suivante ou dans le lendemain. Donc, que des élèves puissent entendre des fois 3 fois, 2 fois un exposé oral à l'intérieur du même mois, dans le même groupe, qui porte sur le même sujet. Ça va être étrange pour l'élève qui va devoir animer une discussion là-dessus puisque le sujet va avoir déjà été abordé. Donc, pour toutes ces raisons-là, nous, on considère que le ministère devrait faire comme en 5e secondaire, c'est-à-dire ne pas imposer de reportage en particulier, ne pas imposer de sujet. Donc, l'élève devrait être libre de choisir ses sujets. Il pourrait en proposer s'il le veut, mais il devrait avoir la possibilité d'en choisir lui-même. Et ça pourrait être assorti justement d'une liste de critères à respecter pour avoir des reportages qui sont sensiblement là. Qui ont sensiblement les mêmes paramètres en termes de temps, en termes de complexité et tout. Alors, on pense que ça pourrait être possible de faire. Ça sera en 5e secondaire. On présume que si en 4e secondaire, on propose des sujets, c'est probablement parce qu'on veut davantage accompagner l'élève, mais nous, on voit ça davantage comme un frein, un moment d'accompagnement auprès de l'élève. Alors, on encourage fortement nos commissions scolaires à Montérégie, puis nos collègues d'autres régions, à remplir le formulaire de rétroaction qui est sur le site du ministère. Je déposerai le lien tout à l'heure dans le bloc-notes collaboratif. Et on vous encourage à faire la même chose, si vous êtes d'accord un peu avec nos observations,
que cette contrainte-là soit levée, qu'on ajoute la possibilité d'avoir un sujet libre dans le français 4103. Donc, quelle a été question de quoi d'autre aussi? Bon, c'est à peu près les sujets qu'on a abordés lors de notre rencontre. Il y a eu beaucoup de travail, comme je disais, en petits groupes pour analyser les situations d'évaluation. Je vous disais qu'on l'avait fait pour la lecture. On commence à le faire pour les cours de production orale là, et les cours aussi de production écrite, où on va envoyer nos rétroactions, justement, nos recommandations à Marie-Josée Quinn concernant des changements qu'on souhaiterait apporter. Bon, on ne sait pas de quelle façon ça va être reçu naturellement, là, mais on fait quand même l'exercice. Donc, voilà, ça fait un peu le tour de la rencontre qu'on a eue la semaine passée. Ouais, c'est ça. Il y a, lors de la rencontre, Suzanne Richard qui était présente, Suzanne Richard qui est une didacticienne du français, elle nous a partagé des listes de romans et des listes de reportages qu'il y a dans la banque de CDE pour justement pour les élèves de secondaire 3 en 31.05 ou les élèves de 5e secondaire pour leur, les écoutes qu'ils ont à faire. Là, je n'ai pas diffusé encore ça en dehors de notre groupe de travail parce que je ne sais pas si elle m'autorisait à le faire. Donc, je vais lui demander les autorisations. Et si tel est le cas, je vais déposer un lien dans le bloc-notes collaboratif. Je vous en aviserai par courriel. Mais elle nous a proposé une liste de plusieurs romans en bas de 200 pages, des romans pour nos adultes, des romans pour le 4101 et le 5203. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant de diffuser cette liste-là, mais je vais quand même prendre la précaution de lui demander avant de déposer. Il y a Marie-Chantal Valiquette qui a ajouté des informations. Marie-Chantal, veux-tu prendre la parole et les présenter, s'il te plaît? Alors, en fait, j'ai déposé dans notre document collaboratif les liens qui mènent au fichier PowerPoint, qui sont les présentations faites à JPM et à la KFGA à propos du journal d'écriture. Puis celle aussi de la présentation au RSP, donc à propos des changements de pratique pour lesquels j'ai accompagné Chantal l'an dernier. Donc, je vous invite à les consulter si c'est des choses qui vous intéressent. Puis, je peux aussi, sur demande, je vous enverrai les modèles de documents journal d'écriture sur lesquels on a travaillé. On en est à la version 3 qui sera elle aussi changée et améliorée l'an prochain. C'est toujours pour répondre aux besoins de l'enseignante. Donc, on les personnalise, on les modifie, on inclut des documents qu'elle juge nécessaires ou que les élèves demandent. Donc, ça aussi, c'est disponible sur demande, il n'y a pas de problème. Mais vous avez au moins les liens pour les présentations pour vous faire une tête à ce sujet-là. Merci beaucoup, Marie-Chantal. Quand Marie-Chantal parle de JPM, là, c'est Journée pédagogique de Montérégie, c'est qu'on a eu il y a 3 semaines en Montérégie, une sorte de un petit colloque régional là, où on fait une offre d'atelier d'une journée où on présente plus d'une trentaine d'ateliers là, pour toutes les disciplines. Donc, c'est de ça dont parle Marie-Chantal là, quand elle utilise l'acronyme JPM. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais vous dire? Je vois dans le bloc-notes que tantôt, Marie-Chantal a fait référence à la poésie. Lors d'une rencontre passée, on avait parlé ici dans notre communauté de ressources en poésie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, je voulais simplement vous dire que lors de notre JPM, justement, nous, on a invité le rappeur hip-hop Webster qui est venu faire un atelier avec les enseignants d'atelier d'écriture qui a été fort apprécié. Donc, je mettrai son lien, le lien Internet vers le lien vers son site Internet. Donc, naturellement, c'est payant. Il faut payer pour y avoir accès. Mais il y a aussi un autre rappeur qui s'appelle D-Track qui fait partie du répertoire culturel. Donc, vous pourriez éventuellement me faire venir dans votre centre justement pour animer des ateliers sur la poésie. Donc, je vais aussi ajouter ces ressources-là dans le bloc-notes, puisqu'on en avait parlé lors d'une autre rencontre. Alors, pour moi, ça fait le tour. Alors, si vous avez d'autres choses à ajouter, ce serait maintenant. Sinon, je mettrai fin à la rencontre d'IA. La prochaine a lieu, je crois, la prochaine et dernière a lieu le 20 juin. Alors, on va la maintenir pour le 20 juin. Puis, je vous enverrai naturellement, comme je fais d'habitude, j'envoie toujours un courriel à tous les participants, à tous ceux qui ont participé aux après-cours dans le courant de l'année. Puis, on le publie naturellement aussi dans le forum
dans le message hebdomadaire du Forum selon les enseignants de Salon national des enseignants. Alors voilà, si vous n'avez rien à ajouter, ben, vous pouvez quitter. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée. Au plaisir de vous revoir le 20 juin.